Appelez ici les Nigériens. Les Nigériens, pardon. Ce sont les Nigériens, pas les Nigériens. Appelez ici tous les Nigériens. Nous allons échanger un peu. Il fait tard. À moins d'une minute, vous êtes à 57. Il faut continuer à monter. Il fait tard, mais bon, les gens, ils vont bloquer tout à l'heure. Parce que eux, ils n'aiment pas quand je parle. Ça les arrange pas. Ça ne les arrange pas, donc ils n'aiment pas trop. Il faut partager, il faut inviter vos amis. Dites-leur que je suis là, je suis en direct. Il fait tard, mais nous sommes ensemble. Voilà. Bonne arrivée à vous, Firmin Djigba, Abdul Sissoko, la légende Baker. Soyez tous salués. Baker, la légende, il y a longtemps. Hein? Tu vas bien? Voilà, bonne arrivée à vous. Ça part très vite. Vous êtes en moins de d'une minute, j'ai commencé à 23h22. Vous êtes en une minute, vous êtes 122. Si ça pouvait continuer comme ça, j'espère que ils ne vont pas me bloquer comme ils ont l'habitude de faire dans ces jours-là, m'empêcher de pouvoir échanger avec vous. Bonne arrivée à vous, soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta, Djédjé, Dobo-Blake, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop. Nous allons faire le point avant de finir cette journée parce que bientôt, dans quelques minutes, ça finit. Il sera minuit. Je voudrais vous dire bonne arrivée. Merci à vous de tenir bon. Merci à vous d'être là. Koumba Ndiaye, big up à toi. Landry Zraba, big up à toi. Gen Ousseini, big up à toi. Bongwa Séné, big up à toi. Bonne arrivée à vous, merci. Soyez salués, partagez, mettez des cœurs, continuez de mettre des cœurs. Kai, ah oui, big up à toi, Kai. Comment tu vas? Voilà. Murtala Dramé, big up à toi, Murtala Dramé. Bonne arrivée, Jean-Paul Zagbato, Meaka. Bonne arrivée à toi. Merci à vous, Kada Aïdara. Aboua Anissé Agui, Gumba Abdul Hamid, bonne arrivée, Nguessan Jérôme Brou. Bon, j'ai salué, c'est bon, hein? Daouda Boro, voilà, soyez tous salués, merci à vous d'être là. Quels sont ceux qui sont là depuis Niamey? Présentez-vous, dites que vous êtes là, les Nigériens, est-ce que vous êtes là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir à vous, on va faire un peu le point comme je disais tantôt. Il se passe que Willy Joe était vu aussi, hein, soit salué depuis ta position. Il se trouve que il y a des questionnements qu'on commence à se poser. Je vous ai dit en journée que Bazoum, le président, Mohamed Bazoum, le président, c'est comme ça il s'appelle, Mohamed Bazoum, le président, hein, nigérien était en train d'appeler ses renforts, était en train de demander à ses renforts d'être là. Il y en a qui ont dit non, mais il est déjà dans la main des mutins. Oui, il était dans la main des mutins, il est toujours dans la main des mutins, mais il se trouve que il y a un souci. Quel genre de mutin a pu arrêter Bazoum? Quel genre de mutin se trouve à la présidence avec Bazoum? Quand je dis c'est quel genre de mutin, posons-nous la question ensemble et cherchons à comprendre pourquoi ça traîne et que jusque-là, rien n'a été dit. Jusque-là, les populations sont restées muettes. Attendez, je vais lire mon titre. Niger, qui sont les mutins qui veulent dégager Bazoum et pourquoi le peuple hésite à sortir? Voici le titre de ma vidéo. Alors, le premier point. La première question que je me pose, qui sont ces mutins qui veulent dégager Bazoum? Parce qu'il faut savoir d'abord pourquoi le peuple hésite. Parce que les noms ne ressortent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déjà dit, je vais vous planter le décor. Il y a plusieurs manières de faire des coups d'État. Regardez en Guinée. Nous avons dit en Guinée que nous étions contents que les militaires viennent prendre le pouvoir parce que nous avons vu qu'au Mali, un militaire était en train de faire un travail propre. Donc nous étions contents pour la Guinée. Mais il se trouve que le président guinéen
un ancien, comme on appelle, légionnaire français, a pris le pouvoir. Tout de suite, il s'est empouetté avec Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire. Or, la même pratique, la même procédure a été faite au Burkina Faso avec Damiba, qui allait, comme on appelle, présenter son mandat à Alassane Draman Ouattara. Mais il a été dégagé par les Burkinabés. Ibrahim Traoré l'a dégagé tout de suite. Parce que tous ceux qui vont croiser Alassane Draman Ouattara font partie de la Françafrique. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Guinée. Et aujourd'hui, il y a des mutins qui viennent prendre Bazoum. Moi, j'ai dit qu'il y a des mutins qui prennent l'initiative. Mais est-ce que les mutins qui sont actuellement, les soldats, la garde présidentielle, ceux qui ont bloqué Bazoum, ceux qui ont bloqué Bazoum, ceux qui ont mis la main sur Bazoum, est-ce que ceux-là sont réellement pour le peuple du Niger? Parce que est-ce que ce n'est pas un coup que la Françafrique a mis en place? Parce qu'ils ont compris maintenant qu'il y a des soldats, il y a des soldats qui veulent changer les choses comme au Mali. Il y a des soldats qui veulent prendre le pouvoir pour, comment on appelle, réussir leur indépendance, réussir leur souveraineté. Donc, est-ce que ce n'est pas un groupe de la Françafrique qui essaye de demander à Bazoum de quitter comme ça, parce qu'on n'a jamais vu un coup d'État qui traîne longtemps comme ça, c'est-à-dire depuis le matin, on dit on a mis la main sur Bazoum, et ça traîne jusqu'à l'heure, jusqu'à toute la journée va passer. Vous comprenez? Jusqu'à l'heure où je vous parle, le peuple est encore resté à la maison. Non, on ne parle pas de peuple lâche. Est-ce que ce peuple-là n'est pas inquiet? Je suis sur le premier point, mais vous m'amenez dans le deuxième point par rapport au peuple qui n'est pas sorti. Mais est-ce que ce peuple-là ne voit pas? C'est parce que ce peuple-là ne voit pas clair dans ce qui se passe que le peuple ne veut pas sortir. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce que vous avez déjà vu quel coup d'État qui est en cours et puis la CEDEAO a envoyé un chef sur place. C'est quel coup d'État vous avez vu? Parce que la CEDEAO a envoyé Talon qui a atterri comment au Niger. Qu'est-ce qui se passe? Comment, en plein coup d'État, il y a encore, la CEDEAO même a le temps d'appeler quelqu'un pour venir là, pour discuter. On dit qu'ils sont en train de négocier. C'est quel coup d'État qui dure comme ça? Il y a Anguille Souroche. Cher ami, il y a Anguille Souroche. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous êtes là-même? Mettez des cœurs. Et puis partagez. J'avais voulu qu'on échange. Voilà. Je vais pas être trop long. Mais je veux avec vous qu'on puisse réfléchir un peu à ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas qu'on se fasse avoir. Et je pense que le peuple nigérien a compris un peu ce qui est en train de se passer. Quels sont ces mutins qui font ce coup? Parce qu'un coup d'État, vous le faites ou bien vous ne le faites pas. Si vous avez fait et que ça aboutit, c'est vous qui prenez la parole pour rassurer la population, pour dire nous avons le président dans notre main, on dissout l'Assemblée nationale, on dissout ceci, on fait cela, et puis vous rassurez la population. Mais si jusque-là, vous ne rassurez pas la population, vous ne dites rien, vous êtes là, on dit vous avez la main, vous avez mis la main sur Bazoum, est-ce que ce peuple n'a pas peur de sortir pour que il puisse être, il y a, comme on appelle, une chasse à l'homme après? Est-ce que ce n'est pas un coup d'État qui profite à Bazoum? Est-ce que Bazoum n'a pas créé cette situation pour pouvoir se maintenir encore et chercher ceux qui sont contre lui dans l'armée? Est-ce que ce n'est pas ça? Parce que souvenez-vous que Bazoum a accepté que, comme on appelle l'autre là, ils ont accepté que Barkhane atterrisse là-bas au Niger. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de Barkhane? Parce que au Burkina, là, quand Ibrahim Traoré est sorti pour aller chercher à maîtriser, comment il s'appelle? À maîtriser Damiba,
Les gens sont sortis. Beaucoup de Burkinabés sont allés dans les rues et ont commencé à porter leur soutien à l'armée. Vous comprenez? Mais pourquoi, pour Niger, là, ça traîne jusqu'à aujourd'hui, la population n'est pas du tout sortie. On n'a vu personne dehors. Les quelques-uns qui voulaient essayer de sortir, ils ont hésité et puis ils sont rentrés. Donc personne ne sort. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Est-ce que ce coup d'État-là est un réel coup d'État? Est-ce que ce coup d'État, parce que tous sentaient parler de ça, tout de suite RFI a pris, tout de suite France, eux tous sont en train de dire oui, il y a une tentative de coup d'État. Et maintenant, voir quels sont ceux qui sont pour. Moi, je pense que c'est pour voir quels sont ceux qui sont pour ce coup d'État-là. Pour le moment, nous faisons des analyses. Pour le moment, nous nous posons des questions. Nous, on ne peut pas confirmer, parce que nous-mêmes, on ne sait pas quel genre de soldats se trouvent actuellement avec Bazoum. C'est quel coup d'État qui est long comme ça, là, et qui ne finit pas. Le seul coup d'État qui a été long et qui s'est transformé en rébellion, c'était en Côte d'Ivoire, où les gens ont attaqué le président Laurent Gbagbo en 2002, et quand ça n'a pas réussi, ils ont coupé le pays en deux, et ils ont créé une zone rebelle. C'est le seul coup d'État qui a mis beaucoup de temps. Depuis l'histoire des coups d'État existent. C'est le seul coup d'État qui a mis du temps. À part ça, là, il n'y a pas d'autre coup d'État qui a duré comme ça. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe, Jules Do, soit salué, ce qui se passe au Niger nous interpelle. On commence à se poser des questions. Quel est ce coup d'État qui finit pas? Quel est ce coup d'État où on parle de négociation? Vous négociez quoi? Vous discutez de quoi? Quand tu es allé faire coup d'État, là, c'était pour négocier. Si tu voulais négocier, il fallait aller t'asseoir à la télé, comment on appelle, à l'Assemblée nationale pour discuter. Quel coup d'État où on dit des soldats négocient? Ils négocient quoi? Faites attention. Si c'est vraiment une négociation et que ça a duré toute une journée, la journée suivante, là, si on nous amène un militaire pour dire que le coup d'État a marché maintenant et que c'est un militaire qui prend le pouvoir, ce militaire-là, il faut poser la question, c'est quel genre de militaire? Est-ce que c'est un militaire de la France-Afrique ou bien c'est un militaire pour le peuple nigérien? Voici les questions qu'il faut poser. Est-ce que le militaire qui va prendre, si vraiment ça se termine comme ça, est-ce que le militaire qui va prendre là, c'est un militaire pour les Nigériens qui est venu pour faire comme Assimi Goïta, pour redonner l'indépendance vraie, pour redonner la souveraineté au Niger et aux Nigériens? Est-ce que c'est vraiment un militaire qui est dans cette optique-là? Si c'est un militaire qui est dans autre chose, qui a été mis par la France-Afrique, il faut vraiment savoir. Faisons la part des choses. Parce que c'est comme ça, quand Damiba a pris au départ, tous les Burkinabés au départ étaient contents parce qu'ils ont fait le ballet citoyen, après Roch Kabore, Christian a pris, après ils se sont dit, bon, Roch Kabore doit dégager, on a amené Damiba, mais Damiba était comment on appelle, un pion de la France-Afrique. Et les Burkinabés se sont vite rendus compte, c'est pour ça qu'ils l'ont débarrassé du coin. Aujourd'hui, au Niger, qui est là? Qui est vraiment là? Quel est le militaire qui négocie et puis ça finit pas? Un militaire qui fait ton coup, tu ne viens pas pour négocier. Tu viens, un point, un trait, tu enlèves le gars, tu fais ta déclaration, tu es soutenu par la population et puis c'est terminé. Mais on dit non, ils sont en train de négocier, non, ils sont en train de discuter. Ils discutent de quoi? Ils négocient quoi? Ils négocient l'aide de part. Ils veulent qu'on leur donne l'argent pour partir, pour que Bazoum reprenne le pouvoir. De quoi il s'agit? Donc voici un peu cette nuit, ce que je voulais vous dire vite fait. Je n'ai pas m'éterniser là, parce que depuis un moment, comme je dis, ça fait 2 ou 3 jours maintenant qu'on m'a restreint. Donc j'essaie de parler avec vous qui êtes là. Et puis, il faut comprendre que nous allons ouvrir l'œil pour voir jusqu'à demain qu'est-ce qui se passe. Voilà. Demain, si un militaire sort là-bas pour dire oui, après tout ce qu'on a fait, après les négociations, les discussions, c'est moi qui prends la place de Bazoum, il faut bien savoir quel militaire c'est. Donc la population, avant de sortir pour crier dans les rues, il faut savoir quel militaire c'est, qui il est exactement. Est-ce qu'il est pour vous
ou bien il est pour la France-Afrique. Parce que eux aussi veulent faire leur coup. Ils ont compris le système. Ils veulent faire leur coup pour mettre quelqu'un qui va toujours dans leur, comme les gars comme Damiba là, ils veulent mettre quelqu'un comme ça au Niger, un peu partout dans les pays à côté. Ils veulent mettre quelqu'un qui est comme Damiba, qui travaille pour eux. Voilà. Donc, ils vont faire le coup d'État. Vous allez crier, wow, il y a un changement. On sera comme le Mali. On sera comme le Burkina. Mais c'est faux. C'est faux. Il faut faire attention. Donc, je suis d'accord avec le peuple qui hésite à sortir parce qu'ils ne savent, ils veulent voir clair d'abord dedans. Ils ne veulent pas aller se sacrifier cadeau. Ils ne veulent pas tomber dans l'embuscade tendue par peut-être la France-Afrique qui a tous eux, tous là, ils ont déposé leurs armes là-bas. C'est-à-dire leurs minutes, leurs armes, les chars, toutes leurs armées sont actuellement au Niger. C'est là-bas qu'ils enlèvent l'uranium, donc ils ne peuvent pas laisser comme ça. Donc ce qui se passe là, qui en est le bénéficiaire? Est-ce le peuple ou la France-Afrique? C'est la question qu'on se pose. Donc il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Voici mon message. Je ne vais pas être plus long que ça. Je voulais qu'on échange vite fait comme ça pour que vous puissiez avoir ma version des faits. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça parce que j'en ai parlé dans la journée. Dans la journée, je vous disais que Bazoum était en train de pleurer et qu'il essayait de comprendre en appelant ses amis. Mais s'ils ont eu le temps même d'envoyer, la CEDEAO a eu le temps d'envoyer quelqu'un et puis d'en parler, si c'était un coup d'État réel, qui était vraiment, où il y avait des militaires panafricanistes, ils n'allaient même pas laisser atterrir l'avion de CEDEAO là-bas. Ouais. Ils n'allaient même pas accepter. Pour le moment, ils n'allaient pas accepter. Ils allaient dire d'attendre qu'ils finissent d'abord leur déclaration, tout, tout, tout. Mais je pense qu'ils veulent nous mettre dans un film. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber dans le piège de Bazoum lui-même ou de la France-Afrique. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Faites attention. Et je comprends pourquoi la population hésite. Voilà, je comprends. Donc, on va se laisser sur ces mots et puis dire que demain est un autre jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On est ensemble. N'oubliez pas de partager. Mettez des cœurs pour, avant de finir, mettez des cœurs parce que un peu, on va y arriver. Voilà, demain est un autre jour. On va voir ce qui va se passer demain. Nous autres, on sera au travail, mais on va ouvrir l'œil quand même. Voilà, on va ouvrir l'œil pour voir ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire réellement? Donc, merci pour les cœurs. N'oubliez pas de partager. Dites à tous vos amis de s'abonner à nos pages. Et puis voilà. J'ai même envie de faire parce que j'ai pas sommeil. Même si je travaille demain matin, j'ai pas sommeil. Donc j'ai envie de faire même une petite vidéo sur TikTok. Donc je vais peut-être aller sur TikTok pour que mes amis de TikTok aussi aient la version de l'analyse que je viens de faire. Voilà. Donc tous ceux qui sont amis avec moi ici sur Facebook et qui sont aussi amis avec moi sur TikTok, si vous avez envie encore qu'on puisse échanger et que vous n'avez pas sommeil comme moi, venez là-bas. Sinon, si je regarde mon film même pour dormir, ça fait quoi? Ça fait quoi? Au lieu d'aller sur TikTok. Parce qu'il y a longtemps, je ne suis pas allé sur TikTok. Bon, je vais jeter un coup d'œil là-bas et puis je vais regarder mon film. Comme je n'ai pas sommeil, je vais regarder mon film. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à vous. On se tient au courant. On est ensemble.